Et nous voulons que les Congolais fassent un effort de se taper une personnalité, de ne pas être paresseux, de ne pas être arrogant, parler pour ne rien faire. Nous devons chercher à être plus pratiques, d'être solidaires et d'échanger de méthodes de lutte, de gestion et de la défense de notre pays. Voilà, merci chers téléspectateurs, nos amis internautes, bienvenue, bienvenue. Bonjour et bonsoir ou bonsoir, tout dépend de l'heure que vous êtes branchés, connectés dans ces sites de savoir www.congodialogue.com. Moi c'est Josué Bolloy, bienvenue. Nous sommes en Afrique du Sud dans ce beau cadre de Sunnyside Hotel, un beau cadre là. Nous vous remercions pour vos attentions, nous vous remercions encore une fois pour vos commentaires que et vous nous donnez à chaque fois que nous nous présentons dans vos petits écrans. Comme vous savez, Espace Dialogue, c'est là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Grand merci à la grande dame Francine Gembe de la Belgique. Nous sommes très ravis. Il y a eu tant d'actualités qui se sont passées dans au moins les 3-4 semaines passées, des actualités tant nationaux qu'internationaux. Nous allons essayer un peu de brosser là-dessus pour vous donner un peu plus d'éclaircissement et recevoir aussi des avis et réfléchir sur cela pour que nous puissions savoir où sommes-nous et où allons-nous dans nos pays, spécialement la RDC, aussi des pays africains et tout ce qui se passe au travers le continent africain. Toujours avoir un grand plaisir de recevoir le président national congolais à la personne de son excellence président Monsieur Ikilele. Ensemble avec lui, nous allons réfléchir un peu ce qui se passe au travers la RDC, la politique congolaise, et pourquoi pas nous allons aussi aller plus loin, la politique africaine. Nous allons toucher un peu ce qui se passe au travers le monde. Il y a des élections au niveau de Kenya, il y a eu des élections au niveau de Rwanda, il y a eu des élections, il y a aussi des situations qui se sont bardées au niveau du Parlement sud-africain. Nous allons aussi un peu en parler là-dessus. Alors, sans plus tarder, je vais recevoir mon invité. Merci, monsieur le président, et bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Merci pour la réception sur ce plateau. Bonsoir à tout le monde. Monsieur Kilele, le président national congolais, très ravi. Allons droit au but parce que votre visage n'est plus à présenter. Nous remercions tous nos téléspectateurs, nos amis internautes. Ben nous sommes tika tous à un peu mélanger un peu les lots parce que ça m'a rambaminé n'est pas kitoko. Autolinto réfléchir ensemble. Au bazo landabiso au travers les mois. Bah ben ambokano c'est pas compatriote. Et le ministre soit représenté. Au plutôt bazo c'est la carne de Yoloba. C'est maintenant présent que le Baïsus Nini. Parce que chaque fois que Tozo postaka ba émission, yangana yo président, ça vous flatte, notebook, bazo komaka, bazo ko apprendre. Ming bormo sala un peu émission na baron des États-Unis kuna. Donc Tozo déjà ba réaction. Bon, ils en ont un peu ma bête, mais Tozo a toujours reconnaissance à ba droit d'auteur, n'est-ce pas, président? Oui, l'essentiel est que l'information arrive et que ça imprègne tout le monde. Ce que comme les bâtonniers sont coincés sur le monde, c'est une réussite. C'est que l'information n'est plus à thésauriser pour un seul coin. Merci. Une information n'est plus terrorisée. J'aime ça. Thésauriser, voilà. Monsieur le Président, ces choses, Monsieur Kilele, je crois que cela me pousse un peu à aller plus loin encore dans ma question. Du jour, parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent, qui nous ont suivis les émissions qui sont passées dans nos YouTube channel Congo Dialogue. Ils vous ont suivi en disant, vous avez émis un peu quelques points concernant l'avenir de la RDC après les gouvernements en place, après le gouvernement du président Joseph Kabila, n'est-ce pas? Alors certains téléspectateurs qui ont visionné l'émission, ils ont dit qu'ils voulaient en savoir plus. Je ne sais pas si vous avez d'autres points, d'autres mesures qui vaudraient peut-être mises en place afin que l'expérience actuelle en RDC ne puisse plus se répéter dans l'avenir. Alors, je rappelle à tous nos téléspectateurs, allez dans notre YouTube channel Congo Dialogue. Il y a une émission que nous avons discuté avec M. Kilele après
intitulé l'après Joseph, Monsieur Joseph Kabila. Alors, est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous aimeriez, peut-être en quelques mots, parce qu'on a senti, vous avez tant énuméré, si vous voulez suivre l'intégralité, allez dans notre YouTube Congo Dialogue, mais est-ce qu'il y a d'autres mesures pour que l'expérience actuelle que la RDC traverse ne puisse pas y revenir? Tout à fait. C'est tout un chapelet de mesures auxquelles nous devons raisonner, nous tous, et que nous devons prendre. Et je demanderai à tout autre Congolais, tout autre compatriote, de proposer d'autres mesures, de les ajouter sur ce que j'ai dit et ce que je vais bientôt dire, pour sécuriser notre pays. Eh bien, sur ce que j'ai dit la fois passée, j'ajoute ceci. Nous devons nous inspirer un peu de la Chine populaire à l'époque du grand leader Mao Tse-tung. Par là, je voudrais dire, eu égard à tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe, où le monde entier, je dirais, sans exagération, se ligue contre le Congo pour l'exploiter, pour le mettre à genoux, pour humilier le Congo et sa population. Il y a bonne raison que la population puisse utiliser, pratiquer l'autarcie. L'autarcie, c'est quoi? Eh bien, d'une manière économique et politique, signifie se renfermer sur soi-même, en enfermant ses frontières. Il y a des frontières inutiles qui ne nous profitent pas. Chez nous au Congo, la Chine à l'époque de Mao a presque fait 40 ans. Elle s'est enfermée sur soi-même. Je sais que ce n'est pas facile, mais puisons l'exemple de la Chine. Les Chinois ne sont pas morts à masse. Ils ont produit chez eux. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit la fois passée, c'est un monstre auquel le monde fait face. C'est une superpuissance qui va devenir superpuissance économique et même militaire. Et comme l'ancien, comme l'écrivain français Alain Peyrefitte le disait, quand la Chine se réveille, le monde tremblera. Et le monde tremble devant la Chine. Donc, je propose que nous puissions pratiquer l'autarcie et non pas la globalisation. Et que les Congolais n'aient pas peur, parce que nous avons toutes les richesses. C'est une question de leadership, d'organisation, de la défense de notre pays, où nous devons sécuriser nos frontières. Nous devons fermer, par exemple, tout l'Est, à partir du Soudan, Ouganda, Rwanda, Burundi, jusqu'en Tanzanie. Fermer les frontières, qu'il n'y ait pas de sortie et d'entrée, parce que nous profitons de quoi? De ces frontières. De rien. Il n'y a pas un chemin de fer qui y passe, il n'y a pas une voie maritime qui y passe. Ce sont des frontières qui laissent passer des bandits rwandais, ougandais et burundais qui viennent nous enquiquiner. La même chose, je sais que la route de Benguela peut nous aider, qui va vers l'Angola. Mais c'est une route que nous devons surveiller à partir du Katanga jusqu'à la limite de l'Angola. Et que nos confrères angolais vont sécuriser le reste suivant les accords politico-militaires que nous aurons signés avec eux pour sécuriser, par exemple, la voie ferrée qui nous amène des marchandises ou qui importe, exporte des marchandises vers l'océan. La route à terre qui vient en Afrique du Sud doit aussi être sécurisée parce que c'est à partir de là où sont les gros des richesses du Congo. Sans aucun contrôle permanent, surtout que nous avons eu des gouverneurs corrompus à partir de Katumba Manke, de Moïse Katumbi et le reste, ben, le pays est resté exténué par l'exportation impunie, incontrôlée des richesses. C'est le vol, ce n'est même pas l'exportation, c'est le vol organisé par nos propres concitoyens et qui veulent devenir riches et se venger contre le régime de Mobutu et devenir riches en un clin d'œil. Donc, je demande que l'après-Kanembe, que nous puissions y penser. Nous sommes capables de vivre pendant une certaine période. Et nous verrons ce que nous pouvons importer d'ailleurs.
Le Congo. Les Congolais mangent des sardines parce qu'ils achètent ça en Afrique du Sud et au Maroc et partout. Mais si nous avons un gouvernement fort, mais l'on peut acheter des bateaux, des chalutiers sur le fleuve, sur le lac, sur nos rivières, attraper les poissons, le mettre en boîte et produire sur place. C'est en peu de temps que cela peut se passer. Donc on n'a pas besoin d'importer des macayabes de l'Afrique du Sud, des Port Elizabeth ou de la Namibie. Un autre point. Nous sommes des panafricanistes en quelque sorte, mais je pense qu'il est temps que le Congo puisse copier l'exemple du Maroc. Le Maroc a fait une trentaine d'années presque, c'est cette année que le Maroc vient de rentrer dans l'OIA. Le Maroc ne s'est pas asphyxié, quand bien même que nous connaissions que le Maroc est une destination privilégiée des Français, où ils vont en tourisme et ils y implantent de grandes usines de montage et de construction de voitures, et bientôt ils auront leur TGV, etc. Mais le Maroc n'est pas mort pendant toutes ces années, mais nous connaissons pourquoi le Maroc a quitté l'OIA. Je voulais donc dire que le Congo doit quitter l'OIA. Parce que l'OIA est contre le Congo. Voyez comment les pays africains qui se disent des panafricanistes, qui se disent démocrates, qui se disent promouvoir la fraternité africaine. Voyez comment est-ce que tous se ruent au Congo, piller le Congo, tuer les Congolais, humilier les Congolais, sans qu'aucune personne puisse lever le ton. Le Rwanda, un pays africain. L'Ouganda, un pays africain. La Tanzanie, le Burundi, et que dire de l'Afrique du Sud? Parce que c'est l'Afrique du Sud et qui pourvoit plus d'armement au Rwanda et au Burundi et à l'Ouganda, pour humilier le Congo et exploiter le Congo. Mais elle se fait passer pour le pays le plus démocrate, donneuse de leçons de la démocratie et de la meilleure constitution au monde. L'OIA ne dit rien. Quand le Congo est par terre, que vont faire les Africains dans tous ces sommets? Quand un pays africain est exploité, pillé, violé et violenté, sa démographie réduite presque à néant, et les pays africains gardent le calme, à quoi ça sert de continuer à aller dans ces forats de l'OIA, si l'OIA ne défend pas l'intégrité, la souveraineté de pays africains? À quoi ça sert? Alors je demande à nous, les dirigeants à venir du Congo, pas la marmaille des bandits qui sont au Congo, des voleurs, des gens mal appris, qui sont dans le gouvernement d'occupation pour le moment. Je dis, nous les dirigeants d'avenir, dès que nous prenons le pouvoir, nous devons quitter l'OIA et nous devons nous mettre d'accord pendant combien d'années? 5 ans? 10 ans? Et qu'il n'y ait pas de conciliambule derrière pour venir nous dire non, rentrez, vous savez ceci et cela, vous êtes l'avenir du pays, vous savez si le Congo quitte l'Afrique est déséquilibré. Mais ils sont contents d'humilier les Congo. Alors, vous les Congolais, nous les Congolais, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons le droit à la légitime défense. Et que cela s'efface maintenant. Donc, deuxième point, le Congo doit quitter l'OIA. Okay. Il en est de même, peut-être dans une question que vous allez me poser, sur la SADC. Ouais. Et je garde ça, peut-être, ça se trouve dans les répertoires des questions que vous avez préparées. Je parlais du troisième point aujourd'hui, c'est la révision des manuels scolaires. J'en ai parlé un peu, j'ai esquissé un peu sur ça la fois passée. Depuis longtemps, surtout le manuel de l'histoire, on nous apprend toujours, en gros, l'histoire européenne. On nous parle de Mérovingien, on nous parle de Pépé le Bref, on nous parle de Léopold II, on nous parle de ceci. Tout ça, c'est très beau, du Moyen-Âge et tout ça. Mais une chose que
le ministère de l'éducation, des dirigeants à venir, doit se mettre en tête. Et que le monde est dirigé par un groupe de gens, et ce sont ces gens qui dictent les programmes scolaires au monde entier. Et surtout l'histoire. L'histoire est écrite, comme on le sait, par le vainqueur. C'est aujourd'hui qu'on va vous dire, on va vous définir la guerre froide d'une autre façon. Mais la guerre froide, ce n'était pas totalement ce qu'on dit entre la Russie et l'Occident à cause du mur de Berlin. C'est autre chose. Hein? La guerre froide, c'est quand les Russes ont commencé à réclamer leur compensation pour les morts russes. Quand les Allemands sont allés attaquer la Russie, il y a eu des Russes qui sont morts et d'autres qui sont morts qui étaient venus au front pour libérer l'Allemagne. Parce que n'eût été l'armée rouge, l'Allemagne ne serait jamais libérée. Si les Occidentaux, les Alliés, les Américains, les Canadiens et les Anglais qui se disent qu'ils ont libéré la France et les autres, étaient venus pour défendre la démocratie, ils entreraient en guerre plus tôt que tard qu'ils étaient entrés quand ils sont venus débarquer à la Normandie. Pourquoi ils ont attendu longtemps pour venir? Mais l'armée rouge était déjà entrée. Quand, après la fin de la guerre, l'armée rouge, la Russie, avait commencé à demander à l'Occident, et surtout à l'Amérique, la compensation, les réparations pour les morts russes, auxquels ils avaient droit, et ils ont droit jusqu'à aujourd'hui. Les Occidentaux ont refusé de payer, pendant qu'ils avaient déjà commencé à payer les compensations des Juifs. C'est ce qui a créé ce qu'on appelle la guerre froide. Ce n'est pas tout ce qu'on vous raconte là-bas. C'est ce qui a créé la guerre froide. Mais l'histoire qu'on nous apprend, c'est autre chose. On va vous dire que Hitler était mauvais, Hitler a fait ceci et cela. Mais Hitler, c'est quelqu'un qui était, comme vous pouvez le lire, hein, dans certains manuels peut-être, Hitler était financé par les Américains, par les Occidentaux. Parce que quand les Occidentaux sont arrivés en Allemagne, ils ont bombardé beaucoup de places, mais il y avait des places où il y avait leurs usines, où ils n'avaient pas bombardé. Et lui-même, Hitler, comme vous l'avez lu dans des manuels, était lui-même russe. Donc, ceux qui sont des docteurs en histoire chez nous, les professeurs d'histoire des politiques, doivent commencer à penser à la révision des programmes scolaires pour qu'on apprenne la réalité aux gens. Bon, dans la science aussi, on vous parle des races. Prenez la thèse du professeur Cheikh Anta Diop. Une affaire de 800 quelques pages qu'il avait défendue à la Sorbonne à l'époque, intitulée « L'antériorité des civilisations nègres ». Quand vous lisez cette thèse, bien qu'à l'époque c'était insupportable qu'un noir puisse s'adresser de cette façon à la rationalité entre guillemets blanche, et qu'on avait trouvé de l'insolence, mais c'est bien prouvé qu'il n'y a qu'une seule race au monde, c'est la race noire. Le reste, ce sont des dérivés et qui ne sont pas des races. Et que les soi-disant blancs, les japonais qu'on appelle les jaunes, les indiens, tous proviennent de noirs. D'une manière scientifique, on doit dire ça à nos enfants et non pas cacher ça. Les biologistes et les chimistes disent ça à nos enfants et que ça soit dans les manuels. Afin que les gens cessent de souffrir de ce complexe quand ils sont devant un blanc, Taloaza Mundele, et vous voyez des gens qui se brûlent le visage parce qu'ils cherchent à imiter la peau cutanée de l'homme, soi-disant l'homme blanc, alors que Bazaba Nanabiso, Bazaba Noir Netibiso. Parce que ceux qui ont au Japon, les Japonais, ce sont des Noirs. Les Chinois, ce sont des Noirs. Les Vietnamiens, ce sont des Noirs. C'est prouvé scientifiquement. Mais on doit dire ça aux gens. Donc, il faut qu'on fasse une révision des programmes scolaires. Bon, je ne dis pas que 2 plus 2 n'est pas 4. Bon, mais si dans les mathématiques aussi, il y a quelque chose à revoir, qu'on voie, qu'on revoie ça. Donc, il faut qu'il y ait une commission de révision et puis d'insertion de manuels pour que nos enfants apprennent ça. J'en appelle donc au ministère de l'éducation pour tirer des extraits de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga, de recherches d'autres gens, d'autres Africains et d'autres soi-disant blancs
pour mettre dans le manuel scolaire, apprendre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la même chose telle que la Bible. La Bible, c'est la même chose comme l'histoire que nous appelons. C'est une histoire imposée parce que la Bible, on vous dit, ne retranchez rien et n'ajoutez rien. C'est déjà une dictature intellectuelle. Mais comment vous ne voulez pas que les gens raisonnent alors que les gens ont la tête? Bon, cette tête que nous avons, c'est pour faire quoi? Voilà, donc, voilà. C'est le troisième point. Et puis, on va continuer parce qu'il y aura toujours d'inspiration, parce que nous nous préparons, n'est-ce pas, à la récupération de notre pays, et nous devons être équipés, nous devons être armés, nous ne devons pas attendre que l'Union européenne vienne nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour notre pays. Je crois que le monde aussi a besoin des visionnaires, le monde a besoin des gens qui ont des visions, qui ont des plans d'action, non pas comme d'autres gens qui, ils sont là dans les bureaux, ils sont là dans des offices, qui, ils sont là, après, ils n'ont pas de plan d'action, ils sont maintenant imposés, dictés à faire ce qu'ils doivent faire. C'est un peu dommage. Merci beaucoup, M. Kilele. Si vous venez juste nous rejoindre, moi, c'est José Bolois. Dans ça, c'est votre émission Espace Dialogue avec moi. José Bolois dans l'espace, dans votre site que vous aimez, le site de savoir, congodialogue.com. Nos numéros, je crois, c'est déjà dans vos petits écrans. Si vous voulez participer aussi à cette émission, commenter, ajouter quelques stratégies, quelques mesures, l'avenir de la RDC après, n'est-ce pas, parce qu'on plaire trop, we are agonizing too much, comme on dit en anglais, but we don't have time to organize ourselves. Donc, on n'a pas le temps de s'organiser, s'asseoir après cela. Comme le président a soulevé dans les émissions précédentes, l'homme noir ou nous, les Africains, n'avons pas le temps de réfléchir ahead, donc réfléchir après ce qui se passe actuellement, parce qu'on ne va pas rester là à Kendeto. Donc, on se focalise plus à se plaindre, mais on n'a pas le temps de réfléchir. On se lamente, n'est-ce pas? Et nous accusons, nous blâmons telle personne, telle organisation, tel pays, tel gouvernement, mais on n'a pas le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui viendra après? Et si vous êtes là, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'était une grande question. Merci beaucoup, le président national. Nous sommes toujours dans l'actualité. Tout ce qui a frappé l'actualité nationale, n'est-ce pas, notre pays. Il y a quelques semaines passées, monsieur le président, je crois que vous êtes branché, connecté aux informations, tant nationaux que internationaux. Nous avons vu madame Maman Marthe Tshisekedi, la femme du feu Étienne Tshisekedi. Permettez-moi de dire, le feu docteur Étienne Tshisekedi, le leader de l'IDPS, n'est-ce pas. Il était invité au TV5, dans le journal télévisé, à une interview au cours de laquelle elle déplore la mauvaise volonté du gouvernement en place, n'est-ce pas, le gouvernement de la RDC, à ne pas permettre l'enterrement de son mari dans sa terre natale. Je ne sais pas. Bon, ma question serait, monsieur le président national, en tant que commentateur politique, en tant qu'analyste politique, est-ce que c'était le temps? Et pourquoi elle a attendu tout ce temps pour aujourd'hui apparaître dans le média, non seulement national, mais international? Six mois presque, parce qu'elle n'était pas partie à la RTNC. N'est-ce pas? Mais elle est allée à la télévision, TV5, la chaîne française. Est-ce que c'est le temps? Et bon, pourquoi ce temps ici? D'abord, c'est bien ce qu'il a fait. Elle était l'invitée et je pense qu'elle ne pouvait pas refuser l'invitation. Ou peut-être plusieurs fois, on l'avait sollicité, mais elle n'avait pas le temps parce qu'elle est encore en deuil. On l'a vu à la télévision. Elle est encore faible quand on va au visage comme ça, et aussi vu son âge. Bon, d'abord, il n'y a pas de preuves, et je ne défends pas les soi-disant gouvernements mafieux en place, hein, mais il y a, je pressens, après analyse faite, il n'y a pas de preuves que le gouvernement de Hippolyte Kadjambéré Kanembe aurait refusé l'enterrement de notre compatriote Étienne Tshisekedi. On doit nous le dire, si c'est par écrit ou verbalement, qui avait refusé, est-ce le directeur du bureau de politique Kadjambéré Kanembe, est-ce qui, est-ce qu'on avait envoyé un délégué? Je doute fort qu'on ait refusé d'enterrer un mort. Parce que un morgue, qu'est-ce qu'il représente? Quel danger il représente quand on meurt? Chez nous, les Baswahili ont dit Maïti Anyoka Aikoseboka, ou bien Woga. Ça signifie
le cadavre d'un serpent suscite toujours la peur, n'est-ce pas? Mais ça, c'est un être humain. Je ne pense pas que quand on meurt, le cadavre est là, on peut avoir peur de toucher un mort. Sinon, le médecin légiste qui touche le mort à l'hôpital fuirait, il ne toucherait pas au corps du mort. Donc je pense que c'est un mythe, comme d'habitude, comme ils en ont, qui a été créé. Quelqu'un est mort, je ne vois pas. Ce n'est pas son corps qui va déboulonner Hippolyte Kajambere Kanembe au pays, qu'on amène le corps de notre compatriote et directement, parce qu'il descend à l'aéroport, latéral à l'aéroport, Kanembe soit maire de syncope, eh bien, il fouille. Je ne pense pas. Donc, je pense qu'on a voulu créer une histoire là-dessus, comme d'habitude. En ce qui concerne notre maman, notre chère maman, je ne suis pas Moulouba, je ne suis pas un Kassaïen, mais je pense que nous partageons tous les mêmes coutumes. Il peut y avoir quelques variances par-ci, par-là, mais je pense qu'il y a plus de similitudes que de différences entre nous. Nous sommes le même peuple. J'ai été mal impressionné de voir notre maman sortir, faire cette sortie médiatique de cette façon. Il égare aux coutumes. Hein. Et je pense que, comme il pleure encore notre compatriote, elle pleure encore, enfin, notre compatriote, elle devait être dans sa maison, assise ou allongée sur le lit ou sur la natte. Et peut-être, comme son mari sort d'une grande famille, une famille nombreuse, cette autorité devait être donnée à un homme. Ce n'est pas pour mépriser le rôle des femmes dans la famille, mais écoutez, nos sociétés sont faites comme elles sont, et je pense qu'il y a de quoi respecter ce système patriarcal, l'hiérarchisation de la société où il y a plus d'autorité donnée aux hommes. Et je pense qu'il a des petits frères, il a des grands frères qui pouvaient prendre la parole au nom de la famille, et qu'une femme qui est encore en deuil et qu'on n'a pas encore lavé et qui doit aller réclamer l'enterrement de son mari Urbi Orba à la télévision. Je pense que quelque part il y a violation des coutumes bantoues, violation des coutumes kassaïennes et baloba, et que en tout cas la maman doit présenter ses excuses auprès de la famille de son mari. Moi je ne peux pas lui donner ce droit d'aller parler à la télévision et demander cet enterrement, parce que le président Étienne Tshisekedi a une grande famille et même les gens de l'UDPS, comme ils commençaient à réclamer ça, si c'est vrai, ils devaient continuer afin que le corps revienne. Mais comme je l'ai dit, juste pour boucler cette réponse, il n'y a pas de raison qu'on ait refusé d'enterrer le corps de notre compatriote. C'est une histoire fondée de toutes pièces, parce qu'on aime le sensationnel. Et voilà là où ça nous mène maintenant. Et bientôt, son fils... c'est une histoire bien programmée. Vous savez, son fils qui doit bientôt être le premier ministre, ça ne sort pas d'inéa. C'est une histoire programmée depuis toutes ces rencontres de l'Europe, de Genval et de par-ci, par-là, de l'île de Gorée, c'était bien programmé. Parlons des refus d'enterrement, ça va emporter. C'est une autre façon de distraire les gens, c'est une autre musique. Oui. Voilà, merci beaucoup. Ça c'est les réactions du président national, M. Kilele. Moi, c'est Joseph Boloa. Merci d'être branché, connecté toujours dans cette émission Espace de la Rave avec Joseph Boloa. Merci la grande dame Francine Ngembe qui nous donne ce privilège d'être là dans vos maisons, dans vos laptops, dans vos partout où vous êtes, chers compatriotes, vous qui êtes branchés au travers le quatre coins du monde. Très ravi de savoir que vous nous donnez votre attention. Une autre actualité qui a frappé la RDC quelques semaines encore passées. Donc, vous avez suivi la réaction de M. Kilele. Donc, ce n'était pas donc c'est une violation selon la coutume bantou que Maman Tshisekedi puisse faire cette sortie médiatique pour réclamer, n'est-ce pas, le transfert du corps du défunt
un docteur Étienne Tshisekedi de la Belgique à la RDC pour l'enterrement dans sa ville natale. Donc je crois que comme M. Étienne a dit à monsieur Kilele vient de soulever, la UDPS c'est une grande famille, un grand parti politique qui est bien structuré, bien organisé. Je crois que peut-être Félix devrait le faire, ou le secrétaire, ou un porte-parole de la famille, n'est-ce pas? Si la famille politique n'a pas le temps, peut-être un porte-parole de la famille pouvait faire cette déclaration, demander, n'est-ce pas, ou la famille biologique pour en affaire. C'était le 7 de ce mois ici, monsieur Kilele, qui est prévu la libération de la société, plutôt de la secte de Bantu, Kibunda Congo, là je vais citer, monsieur Némoine Dantsemi, ils ont voulu qu'il puisse y avoir ville morte. Bon, on en a parlé, on a connu des tellement de villes mortes, la ville en question ne meurt pas, mais on a toujours des villes mortes pour la libération du Congo. Bon, c'était en accord avec les rassemblements pour la libération de notre pays. Mais dommage, nous avons vu, je ne sais pas si en collaboration avec la régie, il y a tant de photos que nous n'aimerons pas peut-être vous présenter dans cette interview, parce que c'est regrettable, ces massacres, il y a des gens qui ont perdu des villes. Vous qui nous suivez, si vous aurez la chance de suivre cette interview au niveau des Ngiringiri, Selembaou, dans vers le 24 novembre, là, cette route-là, il y avait beaucoup de massacres, il y a beaucoup de blessés. On a encore perdu beaucoup de gens. La question était, est-ce que c'était une nécessité pour que M. Némoine Dantsemi, en collaboration avec les rassemblements, organise encore une ville morte pendant ce temps ici? Votre réaction, M. le Président. D'accord, votre question a dévolé. Némoine Dantsemi et puis le rassemblement. De un, malgré son hypocrisie, M. Némoine Dantsemi, dont on le reproche, l'acte est posé, ce n'est pas mal, c'est dans la dynamique de combattre le régime en place. Parce que si les gens gardent, croisent leurs mains, il ne se verra pas bousculer et il va s'éterniser. Il faut qu'il se sente chauffé quelque part. Si cela est fait d'une manière sincère, et puis quelque part, il aurait atteint le but, parce que nous avons vu déjà avec des calicots, des banderoles, où ils ont mentionné un message fort, quand bien même que ce message, qui n'ait pas été la première personne à afficher ce message, parce que c'est depuis longtemps que les compatriotes Honoré Nguanda avaient dénoncé que Hippolyte Kagame de Kanembe était un Rwandais. Et c'est ce qu'on a vu là-bas quand on a écrit Kabila rentre au Rwanda, le Congo au Congolais et le Rwanda au Rwandais. Dégage, des histoires comme ça. Donc, comme on dit, la répétition, c'est la mère des sciences. Donc, il a répété ce que Nguanda disait et ce que tous les Congolais connaissent déjà. Et ce que nous tous avons toujours répété. Mais comme je dis, cette réputation rentre dans la dynamique du combat. Que nous devons lui faire connaître comme il connaît qu'il est malvenu, il n'est pas le bienvenu chez nous au Congo, il doit quitter, il n'est pas congolais. Donc, d'un côté, il y a eu une réussite malgré il n'y avait pas tant d'engouement parce qu'il y avait de la police, il y avait des paracommandos, des paramilitaires partout. Donc, les gens ne pouvaient pas sortir de leur maison pour aller s'exposer devant des canons, devenir de chair à canon des Rwandais et tous les coalisés, les Namibiens, les Soudanais, les Ougandais, etc., sous l'uniforme de l'armée congolaise. Donc, d'une part, moi, Dantsemi a réussi, bien qu'il n'y avait pas assez de gens, le message était passé parce qu'on a vu ça sur TV5 et le monde entier, presque, intéressé à la question congolaise, en a parlé. Sauf que la plupart de nous, les politiciens congolais, nous sommes caractérisés par les mensonges, les virus de mensonges. Nombreux parmi nous, nous sommes des menteurs. Et souvent, nous sommes aussi amnésiaques parce que, vous savez, tout criminel n'a pas de mémoire. Hein. Ce qu'on fait et on dit aujourd'hui, demain, on oublie ça. Némoine Dantsemi a oublié qu'il avait déjà promis tout ça aux gens qu'il va libérer le Congo. Tu donnes une date butoir, le 7 août. Une date fatidique, le 7 août
les esprits des ancêtres vont sortir des forêts et de l'eau. On a parlé de Bisimbi. Bisimbi ya bakoko ekobima na maipe ekobima na zamba ekoya masase na bino ekokoma mai mukuluana ekosimbate tokokanga bino boye na maboko baronenyo so bakokene boko sala rien. Vous donnez une promesse ferme comme ça aux gens très religieux que sont les Congolais. Ils ont aisément cru comme ils croient à la Bible, comme ils croient à la résurrection de Jésus-Christ, au retour de Jésus-Christ. Ils ont cru, hein, ces jeunes gens se sont jetés dans la rue et voilà, ils ont été accueillis par des canons. Parce qu'il les a convaincus pendant des années, des jours, surtout ce mois ici. Il a pompé des messages. Le 8, c'est fini. Et les gens ont dit, ils ont mordu au message que oui, le jour où on a la Bisimbi, on n'a pas vu les Bisimbi, on n'a rien vu. Par contre, ce sont nos compatriotes qui sont tombés devant les balles des occupants. Donc, à partir de là, les compatriotes n'aiment moins dans Simba et sa presse ont menti. Et donc, les Congolais doivent se réveiller, de ne plus les suivre et de les laisser dans son coin, lui et ses femmes. Et que même les Bundu dia Congo doivent se dissoudre parce qu'ils les font tuer pour rien. À l'air garantissant une libération certaine, mais qui ne vient toujours pas. Alors que lui, qui a dit qu'il sera à l'avant-plan des défilés, de la marche, on ne l'a même pas vu, il n'y avait même pas un ton, rien, rien. Voilà un farceur comme ça du Moyen-Âge qui se fait passer pour un leader et qui fait tuer des compatriotes. C'est quelqu'un qu'on doit arrêter parce qu'il a envoyé les gens à la mort. On doit l'appréhender, le juger. N'est-ce pas? Parce qu'il a fait tuer des compatriotes pour rien. Il les a pas armés parce que pour atteindre ce but-là, mais il faut qu'il y ait des moyens, il faut voir les conditions. Et quel est le but que nous voulons atteindre? Il fallait quand même que... Voilà. Bon, un peu le but a été atteint, il n'y avait pas de moyens, il n'était pas armé. Et les conditions, on n'a pas sécurisé les enfants. Et je ne dis pas qu'il n'y avait que des enfants, on n'a pas sécurisé nos compatriotes. Voilà, donc il n'y avait pas, les conditions n'étaient pas réunies, il n'y avait pas de moyens. Donc quelque part, on doit d'une manière légitime comprendre que c'est un autre collabo. Il joue le jeu de Hippolyte Kajambere Kanambe comme tous les politiciens congolais qui se disent opposants, qui sont au rassemblement. Alors pour passer dans le deuxième volet, les rassemblements, mais voilà la connivence, le gouvernement Kanambe, le rassemblement. Quand Nemo Nassimba donne sa date butoir, c'est à la même date que les rassemblements de Tshisekedi et le reste des voleurs et des menteurs politiciens congolais aussi fixent leur date. Des villes mortes, les 7, le 8, le 9, je ne sais pas jusqu'à ce quand. D'abord, on n'a pas besoin de villes mortes parce que nos villes sont déjà mortes depuis longtemps. Bon, on a besoin de villes mortes comment? Les gens ne mangent pas. Les gens ne s'habillent pas. Nos enfants ne vont pas à l'école. Les fonctionnaires n'ont pas de salaire. Il n'y a pas de société, des entreprises qui engagent les gens, qui donnent le boulot aux gens. Bon, vous allez décréter une ville morte combien de fois? Et vous voyez que ce petit-là de Tshisekedi, il copie les mêmes histoires de mensonges de son père. Son père, pendant toute sa carrière, il n'a fait qu'envoyer le Congolais à la mort. Ville morte, ville de soutien, ville de caleçon, ville de chaussettes, ville de pieds nus, ville de ceci et cela. Tous les jours, l'IDPS envoie les gens à la mort. Mais il revient, il ne change pas de méthode. Je pense qu'il devait prêcher la méthode armée que le Parti national congolais, bien qu'il n'a pas encore pris les armes, a toujours prêché. Il doit changer de méthode et non pas envoyer les gens à la mort. Alors, lui, si les gens sont restés à la maison, je ne pense pas, parce qu'ils ont obtempéré au mot d'ordre lancé par l'IDPS, parce que c'est une monotonie qui a une nuisance extrême à la vie quotidienne des Congolais. Nos mamans qui doivent aller vendre leurs légumes au marché, vous leur dites de rester à la maison. Comment est-ce qu'ils vont nourrir leurs enfants? Nos pêcheurs qui doivent aller à Kinkole partout pour attraper les poissons et venir vendre au marché, vous leur dites de ne pas aller pêcher. Où est-ce qu'ils auront l'argent pour
attraper des filets et nourrir leurs enfants. Pendant que lui, Tshisekedi et ses amis sont dans leur maison où ils prennent des champagnes, ils mangent bien, et ils regardent la télévision, ils échangent des coups de téléphone pour demander aux gens « Bazawapi, est-ce que Bazawapi est-ce que respecter mot d'ordre, il est grand parti. Il est là dans sa maison que son père a laissé, où il reçoit des étrangers. Maintenant, partout à travers le monde, il n'y a même pas un bureau, c'est juste un passage, un couloir où il doit recevoir des Américains. Une maison héritée des Belges, ils n'ont jamais acheté une maison, une nouvelle maison. C'est la même maison depuis Kinyas où les Belges restaient. Il n'y a pas un bureau proprement dit où on doit recevoir les dignitaires, les délégués maintenant du monde entier. Ça prouve la petitesse, c'est la façon de raisonner d'un parti et qui envoie les gens à la mort. Donc, la journée morte ou les journées mortes décrétées par l'UDPS, c'est la mort de l'UDPS. Parce que les gens vont vomir l'UDPS. C'est la mort décrétée pour l'UDPS parce que les gens en ont marre de la monotonie d'une méthode qui ne produit rien. Voilà. Donc, ça a été un échec pour l'UDPS. C'est un échec. Voilà, c'est un échec pour l'UDPS, déclare monsieur Kilele, le président national congolais. Vous êtes pour, vous êtes contre, vous avez des avis contraires. Le micro de Boloy est disponible à vous, nos compatriotes, vous êtes partout dans le monde, vous nous suivez, n'est-ce pas? Donc, je vous ai dit, espace dialogue, là, la réflexion et la connaissance rencontre, n'est-ce pas? On a perdu tant de gens, paix à leur âme, n'est-ce pas? Tous ceux qui y ont perdu les membres des familles, les jeunes gens ont quitté leur vie, ils ont quitté la terre des hommes parce qu'il y a eu ville morte. Dommage parce qu'ils avaient un avenir, n'est-ce pas? On s'étend vers les élections qui vont voter parce qu'il y a des villes mortes, les gens meurent, perdent leur vie pour rien. C'est là. Des complices. Voilà, monsieur Kilele, nous tendons petit à petit vers la fin de notre interview de cette semaine, de ce mois ici. Monsieur Kilele, récemment, nous avons aussi vu dans ces situations, c'est se suivre. Dans ça, c'est suivre, je ne sais pas, c'est programmé, c'est planifié ou comment. On voit maintenant monsieur Olivier Kamitatou qui apparaît aussi sur TV5 pour, n'est-ce pas, condamner la brutalité, n'est-ce pas? Il condamne aussi la brutalité du régime en place. Aujourd'hui, monsieur Kamitatou condamne la brutalité du régime en place. Et il déclare qu'il demande le retour imminent du monsieur Moïse Katumbi. Croyez-vous à ce qu'il a dit comme propos? Est-ce que c'est sincère? C'est vrai? Aujourd'hui, monsieur Olivier Kamitatou condamne aussi la brutalité du régime en place. J'aime votre exclamation dans la question. Eh bien, il n'y a pas de sincérité dans sa sortie médiatique aussi à TV5. C'est un habitué de TV5, je sais. Un chercheur d'emploi partout. Vous savez, ministre, président de l'Assemblée. Mais il n'y a pas longtemps, lui et le François Mwamba, les Kamere, tous applaudissaient Hippolyte Kanambe. Il est péperdien. Il n'y a pas longtemps, quand ils étaient dans des négociations à Bruxelles, tous applaudissaient Kabila. Ils étaient allés défendre le PPRD en Belgique. Comment, en un tournement comme ça, il devient opposant quand il percevait de l'argent à la Chambre basse, au Parlement et partout au PPRD? Mais pendant tout ce temps, mais le régime d'occupation tuait toujours les Congolais et on ne le voyait jamais faire une sortie fracassante pour condamner la brutalité du régime en place. C'est aujourd'hui parce qu'il veut peut-être devenir Premier ministre ou encore président du Sénat ou président de l'Assemblée, quand son boss Métis va devenir président, qu'il veut se mettre à condamner la brutalité. D'abord, ils ne sont pas des opposants. Et lui et Moïse Katumbi, ce ne sont pas des opposants. Ce sont des agents d'Hippolyte Kadjabere Kanambe, avec tous les autres qui sont là, qui se disent des opposants, qui ont quitté le PPRD d'une manière humoristique. Ils sont allés, tel que un autre Congolais qu'on appelle j'ignore encore son nom là-bas. Ce sont des gens qu'on a envoyés pour infiltrer la diaspora. C'est tout. Sonder ce qu'ils ont, corrompre la diaspora,
éliminer certaines têtes et à la fin revenir. Il n'est pas opposant. Donc, c'est dire à la télévision française TV5, à l'antenne TV5, ce sont des mensonges. Et je demande à la population congolaise de ne pas croire aux turpitudes d'un menteur de ce genre, qui n'a pas un endroit où aller. Il est à gauche, il est à droite, il est au centre, comme disait Mobutu. Il manque de rectitude sur quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Parce qu'il appartient partout. Et on ne peut pas être partout dans le monde, dans la vie. Et même votre Bible dit, il faut dire oui pour oui et non pour non. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée, c'est PPRD, c'est les MPR. Et aujourd'hui, c'est Moïse qui n'a même pas un parti, qui a déjà acheté des actions à l'IDPS. Et lui est là. C'est comme l'autre là, Gécoco, aussi c'est Gécoco, qui a quitté les MLC. On l'a vu venir entrer au PPRD. Voyez tous ces métiers là, comment est-ce qu'ils sont, hein? Ce sont des caméléons. Hein? Il quitte MLC. Il va maintenant à l'IDPS. François Mamba, il est à MLC. Il quitte, il va PPRD. Je pense que lui aussi va devenir notre opposant. Vous voyez des gens comme ça, hein? Francis Kalombo, aujourd'hui, il va en Europe. Il insulte Kanambe. Lui qui est le lavandier de Kanambe, qui lui cherchait des habits par-ci par-là, n'a pas qu'on ait yombo pour mon aïe Kazabokolo, Aïepse Babé Ngope, grand prêtre. Ce sont ces gens qu'il faut surveiller partout, que ce soit en Europe, que partout se trouvent les Congolais. Il faut faire attention à tous ces gens-là. Ce sont tous des infiltrateurs, des collabos. Et nous devons les éliminer physiquement. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça, c'est votre réaction concernant la déclaration qu'a émis Monsieur Olivier Kamitatou, condamnant la brutalité du gouvernement en place, et ainsi que annonçant qu'il veut le retour éminent, n'est-ce pas, de Moïse Katumbi. Bon, pour qu'il soit bien sûr à la tête du gouvernement et qu'il soit président dans les jours à venir. Bon, Monsieur Kile a dit ça, ce sont de, comme on dit en français, de brouhaha, n'est-ce pas, ce sont de déclarations que vous ne devez pas y croire. Monsieur Kilele, nous tendons petit à petit vers la fin de notre interview aujourd'hui. J'ai aimé votre réaction. Donc on a parlé, si vous venez juste de nous rejoindre, il a donné ses réactions, ses avis concernant l'annulation du concert de monsieur Amine, de notre artiste héritier Watanabe au niveau de l'Olympia. Il a donné ses réactions. Si vous voulez suivre, je voulais juste regarder encore ces vidéos. Il a aussi donné quelques stratégies, quelques mesures après le gouvernement en place, après le gouvernement du président Kabila. Qu'est-ce que la RDC peut faire dans les jours à venir? Nous avons aussi parlé de la réaction, mais de la sortie médiatique de Madame Marthe, la femme du défunt Monsieur Étienne Tshisekedi, réclamant, demandant au gouvernement en place le retour du corps de son mari pour l'enterrement dans sa ville natale. Nous avons aussi un peu réfléchi sur la ville morte ou les villes mortes qu'a déclaré le leader des sectes qui venait d'en Congo, M. Ne Mwandantsemi, hein, qui a causé beaucoup de morts dans notre pays. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans presque toutes les communes. Il y a des jeunes gens, des femmes, des enfants qui ont perdu leur vie et ça continue encore à appauvrir la ville de Kinshasa, n'est-ce pas? Pendant que dans notre province, il y a eu quand même les gens ont travaillé. Mais on a connu des morts un peu macabres, ce qui est un peu bizarre. Alors, monsieur Kilele, pour qu'on finisse, parlons un peu des actualités internationales. Là, nous allons, we cross the border. Il y a eu des élections au niveau de la Rwanda, Amine de Rwanda. Il y a eu la réélection, donc il est encore réélu pour le second mandat, monsieur Paul Kagame. Et votre réaction là-dessus, et nous avons vu, apparemment, il n'y a qu'un seul candidat qui est lui-même, n'est-ce pas? Ce qui m'a frappé en suivant la campagne électorale, il y a eu des candidates, unknown candidates, opponents, if I can put it that way. It was unknown opponent. Donc, on a vu seulement, Paul Kagame a fait ses campagnes, mais celui qui devrait le compter des opponents, on ne l'a même pas vu. Et il y a eu publication, il a encore prolongé le nouveau mandat. Votre réaction? Et puis nous allons terminer par le gouvernement, plutôt la politique sud-africaine, là où c'était les 10 days que le président Zuma devrait être occupé toujours le Parlement sud-africain ou pas. Mais votre réaction sur la réélection de M. Paul Kagame? Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça la réélection, parce qu'il n'y a jamais eu élection au Rwanda. Il y a toujours eu l'autoproclamation.
Donc, c'est la dictature qui règne. On ne peut pas comprendre comment quelqu'un peut gagner les élections avec 99%. Ça, c'est un chiffre stalinien. C'est à l'époque de Staline, dans l'URSS socialiste, où le Parti communiste, les leaders du Parti communiste, marquaient de tels genres de scores. Et voilà qu'il passe, et bientôt, il va inviter le président du monde pour aller assister à son intronisation. Vous voyez ça? Et surtout des présidents africains qui n'ont pas honte, qui savent très bien que le Rwanda est Rwanda à cause du pillage systématique et de l'occupation du Congo et par l'appui de tous ces pays là-bas. Ils vont aller là-bas, lui-même Kagame n'a même pas honte. Les criminels n'ont pas honte. Vous voyez ça? Les criminels, comme j'ai dit, n'ont pas de mémoire. Mais au fait, c'est quelqu'un qui réussit bien sa mission. Et nous ne devons pas voir les résultats, nous ne devons pas voir ce que le monde et vous appelez les élections. Nous ne devons pas voir ça. Nous, les Congolais en particulier, nous devons voir quels sont les buts qu'il veut atteindre et qu'il atteint. Parce que 17 ans déjà, il est au pouvoir. Il a beaucoup réalisé, je sais, hein. L'Afrique, le monde entier, comme ils ont des médias achetés, il n'y a que la photo de Paul Kagame et du Rwanda qui sont à la une de l'actualité. On dit que c'est le pays qui se développe le plus vite. Le PIB de ces pays dépasse déjà tel pays. Ça se développe à une vélocité de la fusée. Le monde n'est pas sincère, le monde est malhonnête, le monde est menteur. Mais on ne parvient pas à demander et à se demander. Le Rwanda, tout comme le Malawi et d'autres pays sans doute, ce sont des pays pauvres qui n'ont rien. Le Rwanda, à part le thé, les papayes et les bananes et les bisamounios, le Rwanda n'a rien. Ce sont des pays qui vivent grâce à la solidarité internationale. Leurs budgets sont votés grâce à l'argent que le pays du monde leur donne. Parce qu'ils n'ont rien. Peut-être le sable, ils ont le sable. Et peut-être de l'argile quelque part. Bon, c'est aussi un minerai peut-être, parce que ça peut aider à construire. Mais tout le monde, tous les pays ont ça. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Mais on est en train de louer le leadership rwandais incarné par Kagame. Le leadership filou, c'est un filou, c'est un voleur, Kagame. Mais on applaudit, c'est l'ami personnel de Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud, c'est l'ami personnel de John Kerry, c'est l'ami personnel, surtout peut-être le fils aîné de Bill Clinton. Parce que la guerre au Congo, c'est la guerre de Bill Clinton. C'est la guerre. Au lieu que l'UDPS marche le jour où la femme de Bill Clinton est venue au Congo, on crée des villes mortes. Mais la femme de Bill Clinton est venue au Congo, on n'a pas marché. Mais les Congolais, les politiciens congolais savent très bien que c'est Bill Clinton qui nous mène la guerre, lui et sa femme. Ce sont eux. La guerre au Congo, c'est la guerre de Bill Clinton contre le Congo. Bien que toute l'industrie militaire et économique de l'Amérique y soit, mais c'est d'abord la guerre de Bill Clinton. On n'a pas marché. Alors, sa réélection, comme je disais, doit nous faire réfléchir. Aujourd'hui, il y a des immeubles, Pimpa Neuf au Rwanda, des petites autoroutes sur les collines, des supermarchés, ils viennent amadouer les investisseurs sud-africains, américains, tout ça. Même les tenniswoman Serena Williams, je sais qu'elle a un hôtel là-bas, l'hôtel Serena, etc. Moi, je connais tout ça. Pour investir chez eux, une sorte de compensation pour leur faire oublier les génocides qu'eux-mêmes avaient orchestrés.
Et c'est le Congo qui paye les prix aujourd'hui. Le but qu'il poursuit, c'est développer en un temps record leur pays avec les richesses du Congo. Le but qu'il poursuit, et c'est si je parle aux dirigeants à venir du Congo, pas aux jouisseurs qui sont au pays. Vous savez, je n'oublie rien. Le Congolais est caractérisé par les syndromes français. Vous savez, les syndromes français, c'est quoi? Les Français, ce sont des jouisseurs, ce sont des arrogants, ce sont des gens qui parlent beaucoup, ce sont des prédateurs sexuels, comme vous avez vu l'ancien président du Fonds monétaire international, Strauss-Kahn, qui va chercher à violer une balayeuse d'hôtel. Voilà. Alors, c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes là, les femmes, la boisson. D'ailleurs, nous avons un sobriquet. Les Congolais, c'est BMV. Bière, femme et la musique. Nous sommes là. Nous sommes des jouisseurs seulement et des prédateurs sexuels. Même quand vous entendez les gens réclamer la musique, c'est juste après la musique qu'on va faire le sexe. Toutes nos musiques, ça ne fait que des sexes. Et là, garde cette question en dernière minute. Malheureusement, j'ai oublié de répondre, de m'y étendre lors de la première question. Pendant que nous sommes en train de nous réjouir, le Rwanda a des objectifs qu'il poursuit. Vous allez vous réveiller. Nous allons nous réveiller, nous les Congolais. D'ici là, nous apprendrons que le Rwanda a une arme atomique. Le Rwanda va faire une bombe atomique. Vous voyez ça? Avec l'appui de superpuissances mondiales. Et dès que le Rwanda a la bombe atomique, c'est fini le Congo. C'est comme ce qu'est Israël devant les pays arabes. Où est-ce qu'Israël a eu la bombe? Un tout petit pays comme ça, comparativement à des gros morceaux tels que l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Cisjordanie, l'Arabie Saoudite, que le monde occidental ne veut pas qu'ils aient la bombe atomique, l'arme atomique, alors que l'Inde, le Pakistan en ont. Quand la France, à l'époque, je pense en 1985, avait donné une centrale, je crois nucléaire à l'époque, à l'Irak, pour des productions d'électricité, Israël est allé bombarder la centrale. Et le monde occidental n'avait pas condamné ça. Bon, ils l'ont fait peut-être d'une manière hypocrite. Et ça s'est limité là-bas. Aujourd'hui, Israël est demeuré la police du Moyen-Orient devant des pays plus riches que lui. Où il y a des grandes armées, mais il manque l'arme atomique. Il en est de même avec Kagame. C'est ce qu'il poursuit. Et peut-être ce qui est en train de se faire. Je vous l'ai dit. C'est ce qu'il est en train de faire. Bientôt, ils auront la bombe. Si Hippolyte Kagamber Kanambe, Moïse Katumbi, de connivence avec d'autres politiciens, sont capables de vendre le minerai stratégique tel que l'uranium, vous pensez que ça va se terminer où? Ce n'est pas seulement en Iran, ce n'est pas seulement en Corée. Des hitlériens tels que Kanambe et Kagame. Mais ils en ont. Et pour s'imposer devant le Congo, ne pensez pas que ça va se limiter seulement à la balkanisation. C'est pour broyer le Congo pendant que nous sommes en train de nous réjouir. Nous réclamons la musique. Basé sur la musique. Il faut pas que nous prions. Pendant que, il faut qu'on sait ça. Pendant que, un petit pays qui ne vaut rien va bientôt se doter d'une arme atomique. Je vous le dis aujourd'hui. Et vous me le direz un jour. C'est ça les objectifs que Kagame poursuit. Bientôt, Kagame va avoir des industries de fabrication d'armement. Des armes à des fusils à assaut tels que les Kalachnikov. À cause de leur diplomatie agissante, pendant que nous avons une diplomatie passive. Notre diplomatie, c'est voler, c'est prendre les 30 et les 10% de commission.
nous ne voyons pas le pays. Aujourd'hui, le média commence à parler du Rwanda qui est le nouveau Silicon Valley de l'Afrique. Vous connaissez le Silicon Valley? C'est le territoire américain où tout ce qui est électronique est inventé et fabriqué. Mais le Rwanda commence à produire ses propres laptops. Avec quel minerai? Pendant que nous, nous avons ces minerais, on n'a même pas un clou, nous ne produisons même pas un clou au pays. Nous ne produisons même pas une aiguille au pays. Mais nous avons là des professeurs d'université, docteurs en polytechnique, docteurs en droit. Nous sommes malades mentaux. Voilà. Monsieur... Voyons l'objectif qu'il poursuit. Et cela rentre dans la question que je vous disais. Si nous prenons le pouvoir, nous devons fermer la frontière et nous allons asphyxier toutes ces ambitions là-bas. Et c'est ce qu'il faut faire. Voilà, cela m'amène à vous poser la dernière question parce qu'on en a temps, parce qu'on ne va pas tout y terminer aujourd'hui. Bientôt, là, il y aura la réunion des SADC. Je crois qu'elle aura lieu ici, en Afrique du Sud. Votre mot là-dessus, parmi les summits, comme on appelle ça en anglais, qui s'organise des SADC, il y aura les rassemblements des pays africains, plusieurs pays africains. La RDC en a bénéficié en quoi, M. Kilele? En rien. En rien. Et ça rentre dans ce que je disais. Nous devons nous retirer de toutes ces organisations régionales. Ça ne nous profite pas. Quand on a créé la SADC, c'est un bébé de Thabo Mbeki, hein. Et c'était une stratégie de l'Afrique du Sud pour mettre la mainmise sur les richesses du Congo. Bien qu'à l'époque de 1960, ils y avaient déjà mis la mainmise parce qu'il y avait des mercenaires sud-africains au Katanga à l'époque quand on avait tué Lumumba. Donc, quelque part, les Sud-Africains considèrent la RDC comme étant un prolongement de leur business. Je l'avais dit une fois. Mais nous n'avons pas besoin... pendant cette période d'occupation de ces regroupements régionaux, parce que ça ne nous profite pas. À l'époque de Laurent Désiré Kabila, quand le Congo était attaqué par les RCD, quand ils étaient rentrés pour la deuxième fois, Mugabe était le président de la commission de sécurité, défense et sécurité de SADC. Vous voyez ça? Quand Mugabe était le premier à envoyer des avions et des troupes zimbabwéennes aller à la rescousse de Laurent Désiré Kabila. Ce pays, l'Afrique du Sud, était le premier à condamner Mugabe. Pourtant, quand vous lisez la charte de SADC, c'est bien dit, quand on attaque un de nous, on attaque nous tous. Mugabe n'avait fait que obtempérer au prescrit de la charte. Mais il était critiqué par ce pays. On avait parlé de la dictature, de ceci et cela. Mais c'est ce que lui n'avait répondu qu'à un appel. Et aujourd'hui, où sont ces pays qu'il avait critiqués? La Namibie exploite le Congo, tout le pays, aux alentours même d'ailleurs, exploite le Congo. À quoi ça sert d'appartenir à une telle organisation? L'autre but de cette organisation, c'était promouvoir le libre mouvement des citoyens du continent, de l'Africain. Mais combien de fois les Congolais sont arrêtés, sont jetés en géole, ou sont extradés, sont rapatriés chez eux dans des conditions inhumaines? Combien de fois les Congolais sont arrêtés, sont tués, et que notre ambassadeur malade qui est là-bas ne fait absolument rien? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il connaît même le nombre de citoyens congolais qui sont en Afrique du Sud? L'ambassadeur du Congo, il ne connaît pas? Est-ce qu'il a un recensement? Mais les Congolais sont en train de souffrir. On nous chasse tous les jours. Or, dans la charte de SADC, la promotion des citoyens et des libre-échange de marchandises font partie des articles les plus prominents. Mais est-ce que ça se pratique? Alors, à quoi ça sert d'appartenir à une organisation qui ne nous profite pas? Nous devons quitter cette organisation et rester chez nous. Merci beaucoup, Président. Très ravi, très content d'être
Avec vous, j'aimerais juste vous donner quelques minutes, juste un mot à nos téléspectateurs qui nous suivent au travers le monde. Ils n'étaient pas informés. Votre réaction par rapport au président Jacob Zuma, ça, nous parlons de la politique sud-africaine ici. Il a encore échappé. Il est sorti survivant. En anglais, il said he walked tall than everybody. Alors, c'était do or die, hein, comme on dit en anglais. Donc, c'était la vie ou la mort. Alors, dommage, il est sorti vitreux au Parlement sud-africain, donc il continue encore son mandat jusqu'à 2019. Votre réaction là-dessus, ma question serait, est-ce que l'ANC a un avenir après tout ce qui s'est passé au niveau du Parlement sud-africain? Bon, pour le moment, l'ANC a de l'avenir. C'est un grand parti qui a l'appui du peuple. Mais vous savez, l'histoire nous apprend que la plupart des mouvements de libération en Afrique n'ont pas vraiment subsisté pendant longtemps. Très souvent, après la mort des leaders, il y a séparation, il y a émiettement des partis, comme au Mozambique, et où vous avez l'Arenamo et l'autre de Alfonso de Lacama. Il a sa chance, c'est un homme qui est chanceur, qui est soutenu par la majorité. C'est l'ANC qui domine le Parlement et même le Sénat. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que le peuple sud-africain va oublier la maltraitance de l'apartheid, de la colonisation. Donc, ça a un peu d'avenir, mais c'est malheureusement un parti qui est miné par la corruption. Et qui fait que, pour peut-être me contredire, ça n'a pas un avenir long. Que comme les gens commencent à se réveiller petit à petit, parce qu'ils se remémorent des promesses tenues lors de l'indépendance et lors des élections, ils se disent qu'ils ont été floués quelque part par les partis et ils ont droit à leur refuser leur vote. Donc, le parti de l'ANC court un risque. Si il peut gagner en 2019, ça sera avec une infime majorité. Ça ne sera pas 55, 52, 50, ça pourrait être 50 ou 51, peut-être. Mais aussi, si d'autre part, le parti d'opposition s'organise bien, eh bien, ils peuvent déboulonner le Congrès national africain. Vous savez, le mal des dirigeants, c'est qu'une fois qu'on est voté, qu'on est élu, on oublie d'où l'on vient. Et c'est comme ce qui se passe au Congo. Vous avez des parlementaires, quand ils font propagande, ils promettent ceci et cela aux gens. Après, dès qu'ils sont, au Parlement ou bien au Sénat, ou au sein des ministres, c'est fini, ils oublient la population. Alors, c'est ce qui trahit ce parti, l'ANC. L'ANC, malheureusement, est corrompu comme le MPR était à l'époque, et je ne vois pas qui va le remplacer. Le président Jacob Zuma est en train de manœuvrer pour que sa femme le remplace. Mais vous savez, sa femme n'a pas un charisme. Ce n'est pas seulement parce qu'elle est femme, mais elle n'a pas un charisme. Et des dirigeants, malgré son ancienneté dans les partis, malgré le niveau d'études qu'elle a fait, elle est docteur, je ne sais pas en quoi, et elle a un passé politique, on l'a préparé déjà en étant secrétaire général de l'OIA, mais vous savez, elle n'a pas le charisme, et puis elle n'est pas, elle ne peut pas s'exprimer, ce n'est pas un orateur, hein? comme le jeune Malema du parti des combattants pour la liberté économique, et comme Moussa Maïmaï, ces gens, ce sont des orateurs, pas non, il n'a pas cette culture politique. Peut-être qu'il a des astuces. Alors, son mari fait tout pour qu'on puisse la poster là-bas. Peut-être pour qu'on ne puisse pas poursuivre le président Jacob Zuma, parce qu'il y a 743 accusations portées à son endroit, de corruption, de viol de femmes, etc. 783. Alors, vous voyez, il est en danger et il voudrait,
si sa femme est là, son ex-femme, mais je pense que c'est toujours sa femme parce qu'ils ont 5 enfants. Et je ne pense pas que la relation a été rompue. Et si sa femme est là, je pense que elle ne pourra pas permettre qu'il y ait des poursuites judiciaires pour qu'on puisse flanquer son mari, vous savez, en prison. Ainsi, on cherche à la mettre là-bas. D'autre part, il y a des factions dans les partis de l'ANC où le vice-président actuel, Cyril Ramaphosa, celui qu'on présente comme le supplanteur du président Jacob Zuma. Et les camps de Jacob Zuma, quelque part, ne veulent pas de lui. Bon, c'est un garçon, c'est un homme intelligent, il est brillant, c'est un homme d'affaires, mais il y a quelque chose qui lui colle à la peau, c'est que quand on a tué, on a massacré les mineurs à Marikana, c'est lui qui avait donné l'ordre, c'est écrit dans les journaux, qu'on puisse massacrer ses compatriotes. Alors, un régime actuel qui se dit démocratique, qui tue ses citoyens comme à l'époque de l'apartheid, n'en est pas un, et je ne vois pas que ce type a de la chance pour devenir le prochain président. À moins qu'il y ait des lobbies, parce qu'il est devant un grand lobby des hommes d'affaires, et qui puissent influencer pour qu'il puisse passer. Mais quelque part, si l'ANC ne cesse pas de faire ce qu'elle fait, c'est un parti qui va tomber. Et donc, je ne pense pas qu'il y a un avenir radieux pour eux, parce qu'ils ont dessus la population. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président. Très ravi de recevoir ces informations et ces éclaircissements. Ça, c'est vraiment instruisant, c'est vraiment édifiant. Juste, être un petit mot de la fin à nos télécompatriotes qui continuent à vous suivre. Juste un petit remerciement aussi, peut-être une petite briefing là que quelque chose vous avez voulu soulever, mais dans quelques secondes. Donc, je salue tous mes compatriotes. Je vous demande d'être vigilants. Nous tous, nous devons être vigilants et nous devons faire un effort de faire une ascension mentale, de quitter la coquille de plaisir. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait la joie quand même, il faut qu'il y ait la joie, mais nous devons tout faire pour ne pas être ivres de joie. Quand nous allons dans nos églises, quand nous allons au concert, quand nous allons au mariage, ceux qui nous envient sont en train de calculer quand est-ce qu'il faut nous attaquer. Ils nous attaquent dans la bière, ils nous attaquent dans les femmes, ils nous attaquent partout pendant que nous dormons. Vous qui êtes des collabos, vous devez savoir que vous allez nous rencontrer sur votre chemin, que nous ne vous donnerons plus de chance de continuer à nous diriger. Et nous voulons que les Congolais fassent un effort de se taper une personnalité, de ne pas être paresseux, de ne pas être arrogant, parler pour ne rien faire. Nous devons chercher à être plus pratiques, d'être solidaires et d'échanger de méthodes de lutte, de gestion et de la défense de notre pays. Ne perdons pas l'espoir. Organisons-nous. Voilà, cela nous pousse à la fin de notre discussion de ce soir ou de ce matin, tout dépend de l'heure que vous êtes branché. Grand merci à la grande équipe technique qui a organisé cette émission. Grand merci à Jean-Marie Poupa qui est à la réalisation de cette émission. Grand merci aussi à vous, la grande dame qui a donné ce privilège, qui nous a donné ce privilège d'être dans vos petits écrans. Grand merci aussi à vous, le patron Pierrot Ngombo et El Picasso. Merci à vous aussi, chers amis, internautes et téléspectateurs que vous nous aimez. Si vous aimez cette émission et vous voulez encore commenter, je suis Bola, Facebook, YouTube, Congo Dialogue, website www.congodialogue.com. Nos numéros seront affichés dans vos petits écrans. Le numéro du président national est là dans vos petits écrans. Commentaires à faire, ajouter, discussion, ça continue encore dans nos Facebook, dans nos WhatsApp. Vous êtes toujours la bienvenue. Merci, on se retrouve à la prochaine. Vive le Congo et un jour la RDC sera sauvée. Bye. Merci.